Controllers, c'est un chant qui a été popularisé par Pete Seeger, un grand artiste américain que vous connaissez peut-être, qui a disparu récemment. Et c'est aussi un chant mineur en Afrique du Sud, et c'est un peu considéré aussi comme le deuxième hymne sud-africain avec Busisikelele Africa. Donc ce chant vous a été chanté par l'ensemble vocal festival, qui existe depuis 2007, et qui est intégré donc dans le festival Note de l'été, qui en est à sa 9e édition, et qui cette année, vous le voyez un petit peu sur les tenues des choristes, est consacré au Mali. Donc vous allez avoir dans le répertoire qui va vous être présenté par les choristes un certain nombre de chansons qui ont un rapport avec l'Afrique, d'autres qui n'ont pas de rapport avec l'Afrique. Et ensuite vous aurez donc la chanteuse Pam, que j'ai connue à Bamako sur les scènes le soir, et qui sera donc la chanteuse qui viendra juste après et qui jouera avec d'autres personnes que vous verrez tout à l'heure à la contrebasse, avec Laurent, au clavier avec Guillaume, et aux percussions avec Hugo G. Là, ce sera pour la première soirée, et la deuxième soirée donc a lieu demain avec le World Choral Trio, qui est un trio avec donc une cora, avec un joueur de cora malien, Jean-Luc Sumano, un violoncelle, avec un violoncelliste américain, Eric Lansworth, et avec un percussionniste français, David Miron. C'est la première année que l'on joue ici, à l'église de Lissac. On a l'habitude de jouer donc sur deux soirs. Il y a toujours un soir qui est estival, c'est le berceau du festival. Et puis, les trois années précédentes, on jouait à Turenne. Et donc, cette année, c'est la première année que l'on est à Lissac. Donc, je voulais remercier le maire et l'équipe de la mairie et ses représentants qui sont ici pour nous avoir fait confiance, parce que voilà, on ne se connaissait pas, et ils nous ont accordé leur soutien logistique aussi pour l'organisation de cette soirée. Je remercie également le père Equifal, avec qui on collabore depuis 9 ans et qui nous accorde aussi sa confiance. Malheureusement, il est au Burkina en ce moment, donc il ne pourra pas assister à cette soirée. Et puis, remercier aussi nos partenaires de toujours, des débuts, c'est-à-dire le conseil général de la Corrèze et également les établissements Sotis. Voilà. Bon spectacle. En 1968, les Beatles se trouvent en Inde. Alors que la ségrégation fait rage aux États-Unis, ils ne peuvent rester silencieux et créent Blackbird, l'oiseau à l'aile blessée, étant la métaphore de la population noire américaine qui se révolte. On dit par ailleurs que sa mélodie vient de la bourrée en mi mineur de Bach. Oh,
profitez-en et cueillez-la tant qu'elle dure. We are marching in the light of God. We are marching.
bien, allons-y, contrepé tout ensemble. Marcel de Bobby Dylan. Yeah.
let you go. Miss me, love, we will not let you go. We will not let you go. We will not let you go. No, 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 Thank you.
Boris et moi. C'est un peu Anne, Marie, Benoît, Jean-Sébastien. C'est Kevin, Stéphane, Camille. Cette chanson, cette bande de potes, Marie Laforêt aurait pu l'interpréter pour nous. Entre eux. Voilà, donc Tibet Zangalewa. Qui t'a appelé?